Pour punir un abus de pouvoir, Kim Jong-un fait fusiller un officier. Un nouveau chapitre dans la saga des peines capitales appliquées en Corée du Nord. Cette fois-ci, la presse fait état de l'exécution par balle d'un officier reconnu coupable d'abus de pouvoir et dont les actes ont enragé Kim Jong-un en personne. Le général-lieutenant nord-coréen Yoon Ju-sung a été exécuté par 90 balles dans une académie militaire de Pyongyang et ce sur ordre du dirigeant Kim Jong-un, relate le tabloïd The Daily Mail. Une telle mesure a été décidée après que cet officier a été reconnu coupable d'abus de pouvoir, complicité avec l'ennemi et activité anti-parti, précise l'édition. Se référant au NK Daily, le journal précise que l'abus de pouvoir en question résidait dans le fait que Yoon Ju-sung a ordonné d'envoyer aux militaires de la base de lancement de Soa une tonne supplémentaire de combustible, 580 kg de riz et 750 kg de maïs, informe le journal. Et d'assurer que cette nouvelle a affolé le dirigeant nord-coréen qui aurait qualifié son geste d'empoisonnement idéologique et ordonné de l'exécuter. Il n'est pas rare que la presse relaie des informations sur des exécutions sans pitié perpétrées en Corée du Nord. Tantôt c'est l'oncle de Kim qui a été dévoré vivant par 120 chiens lâchés par son neveu, tantôt son ministre de la Défense a été éliminé au canon anti-aérien, bref, démêler le vrai du faux reste difficile.